Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais pas envie de faire du diamond painting. Ben non. C'est dimanche, je fais ce que je veux. Non, j'avais pas envie aujourd'hui. J'avais envie de me faire une petite récréation. Et une petite récréation que j'avais pas fait depuis longtemps. Du coloriage, bon, du coloriage j'en avais fait il n'y a pas très longtemps, vous allez me dire, mais désolée, hein, à chaque fois je reprends mon souffle quand je parle, mais je suis toujours essoufflée, mais du coloriage aquarelle, voilà, donc pas du coloriage aquarelle directement à la peinture aquarelle, là j'ai fait avec mes crayons aquarelle. Donc, mes crayons de couleur aquarelle. Donc, c'est des crayons de couleur que j'avais achetés... quand? Je ne sais plus. Bon, il y a plusieurs mois. Ça fait... Oh ouais, ça fait un petit moment. Bon, on va se repérer. C'est avant les confinements. Non, ça doit faire un an que je les ai, je pense. Même peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais bon, je m'en suis, pour ainsi dire, servi une fois, deux fois, ouais, une ou deux fois. Pour vous dire, des fois, j'ai des trucs dans mes tiroirs. Et puis, bon, on est, alors, je crois qu'on est à 99% toutes dans le même cas. Hein? On a toutes des choses qu'on achète qui sont dans nos tiroirs, dans nos placards, sur nos étagères. Et un jour, on les ressort, on se dit, ah, tiens, j'avais ça, j'avais acheté ça. Oui. Des choses qui sont toutes neuves, qui n'ont jamais été déballées, qu'on ne s'est jamais servi, ou alors qu'on s'est servi une fois, pour dire d'essayer, et puis qu'après, c'est resté là, et puis on a oublié. Donc, on est toutes dans le même cas, hein. Celles qui ne sont pas dans ce cas-là, levez la main. De toute façon, je suis sûre. Ben là, de toute façon, je vais devoir faire un gros tri et ranger mon atelier. Je suis sûre à 99,9% que je vais me trouver des trucs que je... Ah bon? J'avais ça, moi? Je ne savais plus. Je suis sûre et certaine. Pourtant, j'ai déjà fait du vide, hein, vous le savez. J'ai déjà fait pas mal de vide. Mais je vais encore trouver des trucs. Hein. Oui, je vais encore trouver. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, donc j'ai fait du coloriage à l'aquarelle avec mes crayons de couleur. Je vais en vie. De temps en temps, comme ça, j'ai des envies. Puis ça me change. Donc c'est avec mon livre de coloriage Restons Zen. Voilà, celui-là j'aime bien parce qu'on peut enlever les pages pour faire les coloriages. Il y a un petit pointillé à chaque page pour arracher proprement et prendre la feuille dont on a besoin à colorier. Ça j'aime bien ce système-là dans les livres de coloriage. Je vous remettrai le lien dans barre d'infos pour ce livre. Bon, pour les crayons de couleur, je ne peux pas vous mettre le lien puisque c'était des crayons que j'avais achetés à Lidl. Mais si vous le souhaitez, je vous mettrai un lien équivalent qu'il y aurait chez Amazon, par exemple. Voilà. Bon, les pinceaux... moi, j'utilise également les pinceaux à réservoir d'eau, bon. Ça, je ne vais peut-être pas vous mettre des liens, ou bon, je vous en mettrai peut-être un. Mais bon, ça, c'est des choses que l'on trouve très facilement, même chez Action, ils en vendent. Donc, mais bon, on verra. donc voilà, je disais, aujourd'hui, j'ai fait un coloriage aquarelle. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Bon, je me suis bien amusée avec, ça m'a détendue. Le coloriage, ça détend aussi, hein, comme le DP, comme pas mal de choses. Ça détend également, et puis on se sent bien après. Voilà.
Et là, l'aquarelle, bah, ça change aussi. C'est plus fluide, c'est plus à faire. Donc, voilà, j'aime bien aussi. Bon, il faudrait aussi que j'utilise, justement, en parlant des choses que l'on achète et que l'on n'utilise pas, c'est que j'utilise également mes aquarelles d'action, parce qu'elles sont là. Je les ai toutes, je crois que je les ai toutes. Je les ai encore jamais utilisées. J'ai même les petits flacons liquides. Donc c'est de l'aquarelle aussi, ça. Je les ai encore jamais utilisées. Donc il faudrait peut-être aussi qu'un jour je les sorte. Enfin, je les sorte, je vais juste aller prendre. Elles sont là sur la petite étagère. Et que je les utilise, que je fasse un dessin, un coloriage, quelque chose avec. Mais il y a plein de choses comme ça que j'utilise pas. Que là, déjà rien que la voir comme ça sur mon étagère, j'ai les pchit-pchit de peinture acrylique que j'avais acheté à Lidl, qui sont là. Ils sont bien, ils sont beaux, ils sont sur l'étagère. Les aquarelles. Qu'est-ce que j'ai encore qui est là, qui traîne ouais, j'avais acheté presque tous les boutons qu'ils vendaient à Action, je les ai, ils sont là. Bah les feutres aquarelles aussi d'Action, ceux-là, là. Je les ai utilisés 2 fois. Donc voilà. Il faudrait que j'utilise un peu tout ça. Mais bon, là, je vous dis, je vais faire un grand, grand tri. J'ai besoin, de toute façon, parce que, comme vous savez, j'ai fait, enfin, comme vous savez, peut-être que vous ne savez pas, hein, d'ailleurs, ça fait plus d'un an maintenant, on a redemandé pour déménager. Donc, ça fera bientôt 1 an et demi. Bon, c'est long, hein. Et comme nous, on a demandé à déménager avec le même bailleur, le jour où on aurait un logement, on a 15 jours pour déménager. Du jour où on sait qu'on va visiter la maison, qu'on nous dit, bon, que nous, on dit c'est OK, on prend celle-là. De là jusqu'à ce qu'on rende les clés ici, on a 15 jours. Alors 15 jours pour vider une maison, pour tout emballer, parce que bah, vous ne le savez pas à l'avance ici, hein, quand c'est des bailleurs sociaux, vous ne savez pas à l'avance que vous allez avoir la maison. Donc le jour que ça va m'arriver, ça va être talent, 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 talent. Ça va être costaud. Donc c'est pour ça, je veux, malgré que ça fait 1 an et demi qu'on attend, mais là je dis, bon, à chaque fois je me dis, il faudrait quand même que je trie mon atelier, parce que c'est ici le plus, comment, le plus angoissant pour un déménagement. C'est ici qui est le plus angoissant, parce que le reste des pièces, ça va vite. Puis peut-être la cabane dehors. Bon, ça c'est pareil, ça va aller vite. Hein. J'ai les outils de jardin, les bricolages. Bon. Mais le plus angoissant, c'est ici. Je me dis, il faudrait quand même que je trie, que je mette dans des caisses, que tout soit bien. Parce que bon, il y a des choses qui sont pas du tout dans des caisses, qui sont pas emballées, qui traînent. Et donc voilà. Et j'ai peur qu'un jour on me dise. Coucou, on a une maison pour vous. Allez, dans 15 jours, vous partez. Oui? Au secours? Au secours. Donc, non, je veux que ça se soit fait avant. Ouais, même là, en dessous du lit, il y a plein de choses. Oh, mon Dieu. Oh. Bon, on n'y est pas encore, hein. Je ne sais pas quand le jour où j'aurai une réponse, mais bon. On verra. Bon, je vais arrêter de papoter. Ça fait déjà 10 minutes que je blablate et que je blablate. Je vais vous laisser visionner la vidéo, regarder mon petit coloriage. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
que vous aimez, que vous n'aimez pas, que c'est joli, que c'est pas joli, dites-le moi. Et laissez-moi des petits pouces en même temps, des petits pouces comme ça, ou des petits pouces comme ça, c'est rien, pas de souci. Hein, de toute façon, les pouces font connaître la chaîne. Donc, c'est le principal. Alors, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.